Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Peace. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool Mike. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 parce que vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour arriver manche 1 avec 50 000 points, 300 points de shield, les zombies qui sont super lents et tout. Comment je fais? Eh ben, je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment faire parce que ben, je vois que ça intéresse beaucoup de monde. Alors c'est parti, on lance le jeu, ok, on démarre, on arrive au calme, on va dans zombies tranquillement. Pas de panique, là ici c'est les choses qui vont jouer sérieusement parce que en fait ce que vous devez aller faire c'est cliquer à droite de Arsenal. Vous voyez les trois petits boutons là, il faut cliquer là dessus vous cliquez là et maintenant vous êtes, regardez en haut à gauche, zombie mutation personnalisée. Vous êtes dans une partie où vous ne gagnerez aucun XP, rien du tout. Vous gagnerez jamais rien parce que c'est fait exprès, tu vois, ce serait trop cheat sinon. Alors ici vous avez la map. Vous choisissez la map, donc classique, standard. La traversée du désespoir, 9, donc c'est Voyage of Despair, 9, et Blood of the Dead. Après, il y a Top Secret qui est classified. Vous choisissez votre map ici. Ensuite, vous pouvez ajouter ou retirer des bots, ok? Donc ça, on s'en fout, on les retire. Laboratoire, c'est pour les liquides divinium. La classe, c'est pour créer une classe. Ce qui est bien, c'est que vous avez tous les atouts débloqués. Vous avez tous les bubblegums débloqués. Sauf bien sûr ce payant, ça vous pouvez pas l'utiliser. Mais tous les bubblegums sont débloqués. Toutes les armes sont débloquées au niveau 3. Vous voyez la différence, tu vois. Tous les équipements sont débloqués, même la tourelle automatique. Toutes les armes sont débloquées. Par contre, est-ce que je peux les personnaliser? Je pense que... Non, je peux pas leur mettre d'accessoires, je pense. Non, ça je peux pas. Et aussi, ah oui, aussi, il y a tous les talismans. Ah non, les talismans ne sont pas débloqués, ok, non, ça c'est des objets consommables. Alors dans Arsenal, tout est débloqué, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Est-ce que dans les camouflages? Non, les camouflages vous pouvez pas. Par contre, vous pouvez mettre tous les équipements que vous voulez sur toutes les armes, c'est trop cheaté les mecs. Ensuite, là on va rentrer dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse, c'est de modifier les réglages des poteaux. Tout simplement, alors je vais passer directement à ce qui vous intéresse pour pas que vous me dites ouais mais tu parles trop blablabla. On va directement aller à l'essentiel, ok? Donc l'essentiel c'est les points. Donc déjà c'est la santé. Déjà vous vous mettez plus 3. Santé de départ, plus 3. Mettez pas moins 3 parce que ça va être compliqué. Vous mettez plus 3. En fait ces modifications de paramètres peuvent vous rendre la vie beaucoup plus facile mais peuvent vous rendre la vie impossible. C'est comme vous le désirez, c'est à vous de choisir tous les paramètres que vous voulez, c'est tellement insane ce jeu. Ce jeu c'est une tuerie les mecs, c'est tout, c'est ma nouvelle femme les frères, c'est ma femme à temps plein là, y a pas moyen. Non mais sérieux, santé de départ, plus 3, délai de régénération, vous pouvez mettre court comme ça, ça serait moi c'est ce que je fais, je mets court comme ça se régénère direct. Vitesse de régénération instantanée, comme ça se régénère super vite. Les éliminations donnent de la santé, oui comme ça, élevé comme ça, dès que je tue quelqu'un bah, je récupère de la santé, perte de la santé sans tir allié désactivé. Mais ce qui est bien, on peut même renvoyer. Si maintenant un allié me tire dessus, ça lui renvoie directement. Ou alors on les partage, donc c'est kiff kiff. Ou alors bah, je les prends et voilà, c'est tout. Mais là, on les désactive, ok. Alors les points, ce qui vous intéresse, c'est comment on démarre avec 50 000 points. Boum, point de départ, 50 000 points, c'est maximum bien sûr. Alors point fixe avec ou sans, point de perte de points quand t'es touché, ben voilà, t'as ça, t'as XP de points de perte, donc tu perds des pourcentages d'XP à chaque fois que t'es touché, t'as des valeurs de perte, donc soit tu perds 100 points, donc 4% de 100 points, 4% de 1000 points, etc. Franchement, c'est juste insane tous les paramètres. Points perdus suite à une blessure, donc là on peut mettre 100, on peut mettre 10% de notre somme et tout, on peut mettre 100% je crois aussi. Points perdus en mourant, pareil, hein, 1%, 10%, des points. Ah ouais, parce qu'on peut perdre des points, mais c'est... Ah ouais, c'est une blessure en mourant. Ah ouais, ok. Blessure, mourant, ok. Point perdu suite à la mort d'un coéquipier, ok, pareil. Baron d'honneur, voilà. Enfin, voilà, ça c'est tous des paramètres. Maintenant, on va passer aux ennemis, ok. C'est des paramètres en plus. Je vais pas tout vous faire parce que, ben voilà. Je vous parlerai que des paramètres que moi je touche, ok. Pour l'instant. Pour l'instant, parce qu'il y a d'autres paramètres que j'ai pas encore touché. Je touche vraiment qu'à l'essentiel. Une fois, je me suis fait une partie super cheatée, les mecs. Vraiment trop cheatée.
J'ai lancé la partie, ça a mis erreur d'application à moi et à Johnny. Directement, on s'est fait ban du jeu, quoi, tu vois. Donc, pour l'instant, les paramètres sont en cours assez tendus. Donc, faites attention, mettez pas des trucs trop cheatés pour pas que votre application saute. Après, faut tout le temps les refaire, les paramètres, j'ai l'impression, à chaque fois, ça ne se sauvegarde pas, enfin bref. Donc, les zombies. Tire dans la tête uniquement, non rampant. Ouais, moi je mets 100 rampant. Propagation des zombies. Ça, j'ai pas encore trop bien compris. Soit c'est lâche, soit c'est serré. Je sais pas. C'est genre s'ils viennent en masse ou s'ils viennent de un peu partout. J'ai pas trop bien compris encore ça. Alors, vitesse minimum, je mets marcher. Vitesse maximale, je mets marcher. Comme ça, ils marchent tout le temps. Que je sois à la manche 50 ou à la manche 100, ils marcheront tout le temps. Par contre, si je mets super sprint, là, franchement, c'est injouable. Hein. Ouh, j'ai même pas envie de tester. Alors, multiplicateur des dégâts, ça, je touche pas. Zombies spéciaux, ça, je touche pas, je m'en balèque pour l'instant. Armes, je m'en balèque. Par contre, bouclier, je mets montrer en surbrillance des éléments du bouclier. Comme ça, ça montre en surbrillance des éléments des armes spéciales à construire et des boucliers. Il est marqué que bouclier, mais ça marche aussi pour les armes spéciales. Après, je pense pas que ça marche pour les pièces des secrets. Hein. Je pense que ça, c'est pas possible. Alors, le système, on peut mettre activer tout le temps l'électricité, les portes ouvertes tout le temps, les boîtes magiques, elles soient tout le temps activées. Franchement, tu peux tout mettre, frère. Tu peux tout mettre. Sacré punch par défaut, toujours activé. Re-sacré punch avec, ok. Donc, ça, c'est la double amélioration. Général, on peut commencer à la manche 1, 2, 3, 4, 5, limite de manche, piège à 1. Ok, voilà, je pense que là j'ai fait le tour, vous voyez un peu tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous pouvez programmer. Apparemment, il y a plus de 200 paramètres modifiables, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a sûrement d'autres trucs encore que je n'ai pas encore découvert. Mais en tous les cas, ce jeu annonce du lourd. Donc quand vous modifiez les paramètres, vous faites rond et vous mettez oui pour que ça sauvegarde, regardez. Donc là je reviens dans modifier et là il y a tous mes paramètres, ok, ils sont restés. Par contre, si je fais rond, je quitte le salon et que je relance le salon, je pense qu'il faut que je refasse tout. Donc je vais vérifier. Oui, effectivement, dès que vous quittez le salon, ça relance tout. Donc faites attention, ne quittez pas trop vite. Ok, réfléchissez avant de quitter parce que sinon vous allez devoir tout refaire. Donc voilà, je vous ai tenu au courant de comment je faisais pour avoir un maximum de points en manche 1. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager un maximum pour m'aider à évoluer les potos. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, abonnez-vous les frères. Ça me ferait extrêmement plaisir aussi. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool au Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh.